respect. C'est le parfum que l'on respire dans les lettres qu'on vient relire en ouvrant la main au trésor. Sous les mots qui nous grisent encore. Respect. C'est le ciment qui tient la pierre, invisible grain de poussière, mais qui tient la maison debout. Quand tout va si autour de nous. Respect. C'est l'inconnu qui vous regarde et qui prie pour que Dieu vous garde comme un cœur qui battrait pour deux, un ami qui vous suit des yeux. Respect. C'est la voix de nos différences, nos peaux, nos races et nos croyances qui se réchauffent au même feu. En regardant vers d'autres cieux. Respect. Dans nos paroles et dans nos gestes, c'est l'ultime recours qui reste à celui qui a tout quitté pour cesser d'être un étranger. Respect. C'est la fin de l'indifférence, une écoute sur le silence, la lueur dans l'obscurité. Le début de l'humanité. Respect, c'est la force qui nous inspire pour pouvoir résister au pire et faire face en restant debout. Plutôt que de vivre à genoux. Respect, celui des autres et de nous-mêmes, qu'on emporte avec ce qu'on aime, au jour du dernier rendez-vous. Respect, c'est ce qui restera de nous. C'est ce qui restera de nous. Prenez soin de vous.